Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ben, on va faire cette petite ASCO. Oui, on va échanger la pompe des vidanges. On va faire un petit unboxing et on va. Je vais ouvrir mon petit coffret que je me suis offert. Alors, du coup, hop, on retire ça. Voilà, tout neuf. Alors, de toute façon, généralement, les sets de coffrets qu'il y a chez Lidl, Aldi et tout ça, ils ont l'air d'être très bien. Bon, après, je peux en avoir la certitude pour la simple et bonne raison que nous, dans la famille, on a eu des tailleurs, des tronçonneuses électriques et tout ça, et c'était super. Bon, désolé, ça a coupé, du coup je reprends, plaf, une fois que c'est défait, voici ce que ça donne. Petit rangement des cruciformes, petit rangement des plats, petit rangement des cruciformes de différents trucs, voilà, des H2, des T, des PH, et voilà. Après, voilà, tout, des petits trucs comme ça, c'est mimi comme tout, ça tient bien, voilà, des petits trucs, c'est génial. Il y a le petit tournevis, voilà, petite empreinte, normalement, ce serait celui-ci, voilà, pour dévisser, voilà. Avec un petit aimant à l'arrière, voilà, un petit aimant qui est dans le fond, pif, voilà, un petit aimant qui est dans le fond, j'y rigole. Ah oui, non. Ça, c'est le petit aimant qui va dans le fond du truc ici. Voilà. Alors, du coup, on le met ici. Voilà, on le met ici. Clic, clic. Bon, il faut le temps que je m'habitue un petit peu au bordel. Ce n'est point évident, mon copain, je te le dis. Hop, clic, 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 clap, plaf, plaf, plaf. Voilà, on le met bien dedans, comme il se doit, comme il se faut. Voilà. Voilà. Et du coup, tu as le petit cran ici. Ça, c'est pour le visser. Là, c'est pour le dévisser. Voilà. Oh, ici, bon, je les avais déjà dévissés. Voilà, c'est cela. Et du coup, à cliquer. Alors, du coup, c'est que ça ne te foule pas la rate, mon copain. Voilà, déjà, première partie. Tu vois, tu mets au niveau ici. Ce qui est bien, c'est que comme c'est aimanté, du coup, tu n'as pas forcé. Voilà, ne pas perdre les vis, ce serait pas plus mal. Voilà. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je défais le panneau arrière et je vous reprends. Voilà, une fois le panneau retiré, du coup, on se retrouve avec la petite cuve. Je peux te dire qu'elle a une putain de gueule, cette cuve. C'est un truc de malade. Du coup, bon, comme tu peux voir, niveau d'ici, voilà. Du coup, ça a bien coulé sa mère. Du coup, tu vois qu'il y en a eu un petit peu tout partout. Voilà, il y en a sur le bras, il y en a un peu partout, du coup c'est génial. Bon, tu n'as pas de coulure au niveau du palier roulement, ça c'est propre. Mais par contre, les masses, eux, ils ont mangé très cher leur race. Voilà, les masses, eux, par contre, ils ont sacrément mangé parce que là, ça a bien coulé, si tu vois ce que je veux dire. Heureusement, la platine a l'air de ne rien avoir. Voilà. Et encore, tu vois, j'ai peur. Du coup, bon, les amortisseurs, ils sont nickel. Il n'y a pas de point. La pompe de vidange est là-bas accessible. Du coup, c'est ça qui est bien. Torse. Non, c'est du cruci. Ouais, c'est du cruci. Il y a une, deux, trois vis pour le défaire. C'est exactement simple. On retire le petit truc et hop, et ça se défait tout de suite. La boîte à produits est juste. Voilà, juste au niveau d'ici. Alors du coup, comme tu peux voir ça, tu vois que ça a bien coulé au niveau de là. Parce que tu vois qu'au niveau d'ici, ben ça a bien. De toute façon, regarde, tu vois que ça a fait frottement. Ça a fait un frottement. Et du coup, ce que ça a fait, c'est que ça a percé. Bien isolée, par contre, elle est très bien isolée. Elle est très bien phoniquement fait. Il n'y a pas de jeu. Moteur induction, voilà. Du coup, ce que je fais, c'est que je défais la pompe et je vous reprends. Voilà, je vais défaire la coque du dessus.
Mais cuve très bonne manufacture. Une cuve de très bonne manufacture. Du coup, je vais prendre mes nouveaux petits tournevis à mon copain, tu vois. Prendre mon eau. Oh non, ça c'est du plat. Je vais prendre. Tranquille. Hein. Et du plat plat. Ça doit être ici le cru. Ah non, même pas. Bon, je vais me faire avoir ou quoi quand... Ah, voilà un petit cruci. Alors, du coup, mon copain, tu vois ce que je vais faire, c'est que je vais défaire la pompe. Bon, de toute façon, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Là, c'est pompe universelle, c'est pas une pompe induction, c'est une pompe électromagnétique, classique, un peu de partout. Je dois en avoir de ces pelles à merde là. Bon, ben, voilà. Après, c'est un châssis qui est très bien réputé pour sa fiabilité, longévité, etc. Bon, Asco, c'est norvégien, enfin norvégien, scandinave, pour moi, je me comprends un peu dans mon bordel. Après, bon, voilà, il n'y a pas 36 000 choses à savoir. Tout est, ce qui est bien, c'est que tout est accessible sur cela. Tout. C'est très bien pensé, mais quand tu regardes la poulie contre le truc, tu vois que c'est vraiment au millimètre. Tu vois que le jeu il est vraiment au millimètre. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de. T'as pas beaucoup d'écart, t'as pas grand chose. Voilà. T'as vraiment pas grand chose en fait de jeu. Voilà. Après, pour retirer le, comment dire, la résistance, de toute façon, tu es obligé de faire tomber la traverse. Ça, c'est sûr et certain. Sonde, de toute façon, la sonde, elle est là. De toute façon, regarde, tu vois la gueule qui est là. Tout a l'air d'être propre, tout a l'air d'être nickel. C'est une machine bon, qui a bien été, entre guillemets, entretenue. Je pourrais dire ça. Alors, bon, je fais tomber la pompe. Hein, de toute façon, c'est que vers là que tu peux y accéder. Tu n'as pas d'autre choix parce que tu n'as pas d'autre possibilité. Bon, du coup, bon, je démonte la pompe et je vous reprends. Bon, voici la pompe. Voilà. Pompe basique. Propre. Cosse oxydée. Du coup, ben, je vais la mettre à l'ohmmètre. Je vais regarder la valeur qu'elle a. Il n'y a pas de chauffe. Mais bon. Pourtant, la poulie, elle tourne bien sur son axe. Je vais essayer de le voir parce que ces modèles-là peuvent être testés en direct normalement. Du coup, bon, je le teste à l'ohmmètre, je regarde et je vois si en direct elle peut marcher. Du coup, je vous reprends. Je prends mon ohmmètre et je le teste. Bon, voilà, j'ai sorti mon testeur et du coup, je vais essayer de vous faire un point entre guillemets correct. Ce qui ne va pas du tout être évident, évident, évident. Bon, voilà. On a mon petit testeur ici et du coup celle-ci c'est celle qui fonctionne. Alors plif, voilà. Alors comme, ah oui, je vais faire comme ça. Là, tu vois, je vais les retourner comme ça, ce sera beaucoup mieux. Du moment que lui il peut me tenir comme ça, on a une bonne vue. Il y a un testeur. Enfin, si on peut le voir, j'ai le truc. Ah oui, j'ai le côté trépied, mon copain. Voilà, là ça parlera mieux. Bon, là j'ai mis mon testeur, et là quand je le teste, voilà, là j'ai une valeur, et sur l'autre, voilà. Putain de merde, attends, je vais tout péter moi comme un fils de pute, moi je sais. Alors là, sur cette pompe là, celle que j'ai ici, tu vois, je vais le décaler, tu vas le voir où il y a mon petit doigt, là au niveau d'ici. Regarde, hop, je le mets et tu vois, j'ai une valeur qui s'affiche. Voilà, ici j'ai une valeur. Je vais prendre la ASCO, tu vois, je vais te mettre là comme ça, et dès que je fais le test. Là, je suis dessus et je n'ai aucune valeur. L'autre, je le reprends et regarde,
J'ai une valeur. Du coup, voilà, pompe, elle est bien grillette. Ça ne sert à strictement rien que je le mette en direct. Alors, du coup, hop, voilà. Alors, du coup, une petite minute, mon copain, autant que je puisse manger un peu, ma palmière. Pif. Voilà, alors du coup, celle-ci, elle est bien grillée de l'intérieur. Du coup, j'en ai une, bien évidemment, qui est similaire. Mais ce que tu vois, c'est ça. Voilà. Du coup, ça fait que quand tu la mets côte à côte, les dents ne sont pas pareilles. Et l'extérieur du truc aussi, sans compter que je n'ai pas les vis de fixation, que celui-ci, je l'ai. Or, du coup, comme j'en ai plusieurs, je vais regarder. J'ai des pompes de la vaisselle qui sont similaires à ceci. Or, du coup, je cherche la pompe et je vous reprends. Bon, voilà, j'en ai trouvé une. Alors, du coup, j'ai celle-ci. Les pales sont un petit peu plus grandes que celui-ci, mais ils rentrent parfaitement. Les encoches sont exactement pareilles quand on y regarde bien. Voilà, on fait la comparaison, c'est pareil. Je viens de le poser direct pour faire un essai. Il passe nickel de chez nickel. Celui-ci, je vais faire le test. Je vais faire le test vite fait pour voir si... au niveau de la tension, elle est bonne. Je me mets en ohmmètre. Clic, 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 pam, pam, pam. Voilà, là, hop. Et normalement, la page y opère. Nickel. J'ai une très bonne valeur sur celui-ci. Alors, du coup, tu vois, celui-ci il pourra être posé à même l'autre. Forcément, c'est une coche comme ça. Alors, du coup, ce que tu fais, hop, tu les écartes. Hein. Et encore, je pense qu'on peut faire la modification normalement. Oui, je pense qu'on peut faire la modification de ça, mais bon, là je le ferai tout à l'heure. Là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que là je dois partir. Voilà. Ce qui est bien dessus, vous avez la petite encoche qui est au niveau d'ici, plave du trou, pour retirer l'ob parce que l'ob se retire. Du coup, ce qui est bien, bon, ce qui est perturbant, c'est que quand tu vois l'aube, normalement, il doit être situé là, au niveau du bras. Et là, ils l'ont mis, en fait, pour une équilibration. Et on peut voir, en fait, la soudure qui est faite sur ce tambour-là, qui est vraiment magnifique. Pouf. Je kiffe. Voilà. T'as la petite, t'as le petit joint du Seigneur. T'as la double... Oh, putain, c'est casse-couille quand tu trouves plus de nom. Enfin bref, tu me comprendras. Alors du coup, on se retrouve tout à l'heure pour faire le montage. Alors du coup, à tout à l'heure. Bon, voilà. Suite. Bon, je viens de remettre la pompe de vidange. Je vous ai épargné un petit peu la merde attitude. Voilà. Elle a été remise avec les petites vis. Voilà. De toute façon, il y a les trois vis. Une en haut, une en bas, une sur le côté. Pas la fixation, les branchements sont... pas pareil, mais la pompe est exactement pareil. Alors du coup, je mets de l'eau pour voir s'il y a une fuite. Désolé, ça a coupé. Comme j'ai dit, je vais mettre de l'eau, savoir s'il y a une fuite et de toute façon, on va te fixer. La pompe, de toute façon, la pompe, elle est exactement pareille. Bon, ça, c'est l'ancienne. Voilà, j'ai remis le petit capuchon du bouchon de vidange. Là, la porte, elle est ouverte. Bon, voilà. Alors du coup, je fais ça, je reprends. Bon, voilà, une fois la modification faite. Voilà. Propre. Tu vois, ça sort toujours. Voilà, il y a le sens. Et il n'y a plus qu'à tester. L'eau est mise dans la cuve. Il n'y a aucune fuite. Je vais vous montrer ça. De suite, nettoyage des contacts. Voilà. Hop. Putain, c'est ça de se faire vivre un bordel de merde. Voilà. L'eau dans la cuve. Voilà. Et foutre une bouteille comme ça, c'est largement suffisant. Hop. Hop, c'est fermé. Ça, évitez de le faire tomber, surtout quand les outils sont neufs, ça ferait chier. Hop, voilà. Je vais mettre ça dans le tuyaulier. Récupérer le tuyaulier. Hop.
Et là maintenant, on allume. Voilà, ça démarre 11, Scandivine et 1, allez, démarre. Et essorage. Clac. Et voilà. Et voilà, une pompe qui fonctionne. Voilà. Et voilà la pompe qui tourne et qui tourne, Seigneur. Voilà, programme en cours. Et voilà les poteaux. T'as vu? Avec un petit tour de magie. On regarde si ça fuit un petit coup. Et voilà. Moteur nickel. Voilà. Une MMR. Terminé à remonter, à faire les tests, nettoyage cuve. Ah putain, non, je peux pas puisqu'il faut que je fasse la durite de boîte. Alors c'est ça qui me casse un peu les couilles. Bon, là l'eau c'est normal, c'est quand je l'ai mis, voilà, on s'en bat un peu les coucouilles. Ah oui, aussi, tant que j'y pense, le truc il est bien pensé aussi. Parce qu'on a la petite truc en métal, là, juste ici, là, pour ouvrir manuellement si la sécurité de porte ne fonctionne pas. Alors, bien évidemment, hein, je vous le dis, quand vous faites, en fait, quand vous changez une pompe, que ce n'est, bon, que c'est la même empreinte et tout ça au niveau des fixations, mais que la fiche ici n'est pas pareille. Attention, sur ça, je vais bien, bel et bien préciser qu'on peut faire la modification. Comme on peut voir, il faut prendre, quand vous avez la fiche, alors attention, je vais vous montrer. Elle ne bouge pas la même manière. Voilà, tu vois, quand tu as ta fiche, tu vois qui est posé, tu regardes, voilà, généralement, tu vois, il se met comme ça. Voilà, tu vois, tu as ton blanc et ton noir, et bien tu reportes en fait le même. Après, même si il est inversé, bon, ça ne change en rien, à part que ta pompe, si elle est inversée, au lieu de déverser, elle fera le contraire. Enfin, on s'en bat un peu les coucouilles. Voilà, et regarde la merde d'attitude qu'il y a dedans. Voilà. Voilà. Là, je l'arrête. Arrêt du programme. Annulation du programme, dagadagadagadac. Voilà. Hop. Elle refait la vidange, ce qui est tout à fait normal parce qu'elle est en train de faire la mise à jour. Quand tu changes les... Voilà. Voilà. Et là, la porte, tu vois. Et là, la porte, elle est ouverte. Et là, tu peux l'arrêter. Alors déjà, tu vois, elle fonctionne déjà mieux. Alors, ce qui se passe, je vais vous le dire, quand il y a de l'électronique comme ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand il y a une pièce qui est défectueuse là-dedans, et qu'on a un petit peu du mal à la faire fonctionner, le truc qu'il y a, c'est que comme il y a un calculateur, ça fait quand même partie d'un ECU. Derrière, c'est programmé par... Enfin, je vais pas t'expliquer un petit peu le topo, on s'en bat un petit peu les couilles. Mais la problématique qu'il y a, c'est que quand il y a une pièce qui est défectueuse, forcément, l'électronique ne va pas gérer correctement en fait le problème. Et ce qu'il faut faire par rapport à ça, il faut pas remédier, enfin, il faut pas que changer la pièce, il faut comprendre le fonctionnement, tester avec l'ohmmètre, comme je vous l'ai dit. Voilà, moi je me suis tapé à 200 ohms. Voilà, j'ai mis 200 ohms, c'est largement suffisant. Voilà, vous le testez, et de toute façon, ce que ça va faire, c'est que ça vous met une valeur. Si ça met 0 ou 1, c'est mort. Si ça met une valeur au-dessus de 5, 10, 15, ou comme là, j'avais 100, 60, je ne sais plus combien, c'est que ta pièce est bonne. Quand tu as une valeur, c'est bon. Quand tu as 0 ou 1, tu sais que ta pièce, elle est morte. Après, savoir aussi, numéro 2, quand vous n'avez pas de testeur, ces pompes-là, bien évidemment, à faire attention, parce qu'il y a des pompes aussi à induction. Oui, ce n'est pas, voilà, comme celui-là, c'est électro-aimanté. Certaines pompes, on peut les mettre en direct, comme certains, on ne peut pas. Comme celles-ci, on ne peut pas. Celles-ci, elles sont
Et encore, si, il me semble que cela, on peut les mettre. Tac, 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 en même temps, ce qui est bien. Oui, cela, on peut les mettre en direct. Normalement, on peut les mettre en direct. Après, ça dépend les fabrications, ça dépend tout. Mais bon, maintenant, on va s'atteler au bac à produits. Du coup, je vais virer un petit peu toute ma merde d'attitude. Je ne peux pas remettre, bien évidemment, le petit. Tu vois, on remettons bien tout correctement. Parce que moi, comme je suis quelqu'un de très méticuleux et que j'aime pas la merde d'attitude, tu vois, voilà, tu vois, il faut faire tout très très attention parce que tu vois, tu as le petit aimant qui est ici. Je pense que lui, je vais le coller. Hop, tu vois, on remet bien tout correctement. Moi, chaque chose a sa place et sa place a sa chose. Quand vous mettez une pompe d'occasion, comme là, j'avais, voilà, j'avais une pompe sous la main. Quand vous remettez une pompe, bien évidemment, vous retirez le joint, vous le nettoyez. L'embase qui est ici où il y a le joint, pareil, on le nettoie correctement, on le nettoie nickel. Le plan de joint où il y a le corps de pompe, pareil, on le nettoie correctement. Il faut que tout soit nickel pour éviter que quand tu remontes, tu vois, tu es obligé de démonter parce que tu as une fuite. Ça, c'est hyper important, ça fait partie déjà des premières bases. Alors, du coup, voilà maintenant ce qui en est. Bon, je suis content. Maintenant, vous avez pu voir à peu près le changement de pompe. C'est très, très simple, surtout sur Rasco, sur à peu près quasiment 80%. J'ai bien dit 80% des choses. Et quand vous avez une pompe qui est morte, récupérez toujours, c'est les joints. Quand les joints ils sont en bon état comme celui-ci, vous savez que de toute façon, ça peut toujours servir. Ça, c'est la principale des choses. Alors, du coup, tu vois, je vais mettre mes petits outils sur le côté et je vais retirer le dessus. Voilà. Ça, c'est ma richesse. Hop. Et je vais retirer le dessus. Bien évidemment, tout ça fait partie de la plaque. Alors, du coup, tu vois, tu mets bien tout à part parce que ce n'est pas les mêmes. Tu vois, regarde. Les vis, ils sont comme ça. Ça fait partie d'ici. Et cela, ça fait partie d'ici. Alors, surtout bien séparer les choses pour éviter d'être emmerdé. Bon, de toute façon, il y a la vidéo, je peux pas me gourer. Voilà, hop, crac, ça. Putain. Ici, c'est pareil, c'est dans la simplicité. Tu vois, tu réussis un petit peu comme ça, hein, parce que moi, j'aime pas le bordel. J'aime pas quand c'est sale. Voilà. Et ici, pareil, tu vois, tu tires. Voilà. Voilà. Tu prends. Tu as directement accès, tu vois. Et encore, c'est bien. Hop. Voilà, tu vois, nickel. Tu as la boîte à produits qui est ici. La structure ici est très simple. Je vais retirer le courant pour éviter, tu vois, de bouffer un courrier dans la gueule. Toujours très, 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 très important. Voilà, tu as la prise qui est retirée. Il faut toujours attendre. Nous avons un double système de PressioStar sur cela. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un PressioStar niveau haut et il y a un PressioStar niveau bas. Bien évidemment, tu vois que ce PressioStar, il est réglable. Et voilà. Tu as un PressioStar qui est réglable. Alors du coup, quelle est la problématique des doubles PressioStar? Eh bien, la problématique des doubles PressioStar, il y a un niveau haut, un niveau bas. Et en fin de compte, si on essaye de débrider, eh bien, en fin de compte, il faut faire un et l'autre. Et comme bien évidemment, tu vois cette grosse pelle à mer de fils de pute, eh ben tu peux pas le débrouiller, mais t'es un petit peu baisé. Au niveau d'ici, tu vois le petit bac à produits. Tu as la petite durite, tu vois, qui frottons un petit peu ici. Et tu vois, j'ai le trou qui est juste sous mon petit doigt. Je ne sais pas si on pourra voir. Alors, si, bien évidemment, je peux peut-être faire quelque chose. Et encore, ça va être un peu la baise. Voilà. Regarde, tu vois, j'ai le petit trou juste au niveau d'ici. Tu vois, c'est un tout petit trou de rien du tout. Mais tu vois, ça encore, tu peux encore, entre guillemets, un peu le faire. Là, alors, est-ce que j'ai quelque chose ici pour le retenir? Bon, de toute façon, le truc qu'il y a, tu es obligé de faire tomber la boîte. Alors, pour faire tomber la boîte, alors au niveau d'ici, tu fais la vérification. T'as le fil de masse, de toute façon, de la cuve qui est au niveau d'ici, qui te maintient la boîte. Alors du coup, c'est du T20, normalement. Tu défais ta petite boîte à produits bien tranquille ou bio. Tu vois, tu te la mets sur le côté. Et tu regardes, t'as du T20 ici, du T20 là.
De toute façon, tu en as deux ici qui maintient ta boîte à produits, qui fait en même temps office de ta façade normalement. Après, il me semble, il faut faire la vérification. Normalement, tu en as ici, tu en as un là, plus les deux en face. En espérant que tu ne fasses pas tomber le reste. Mais bon, à voir. Tu as les petits ressorts de rappel. Voilà. Ils sont. Mais c'est une putain de cuve de merde. Elle est bien grosse, c'est quand même un très 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 beau volume. J'aurais pas cru que 8 kg ça faisait un beau volume comparé aux 8 kg de maintenant, enfin sur certains modèles, voilà. Or du coup, je fais tomber la boîte et je vous reprends. Voilà, alors du coup, t'as la traverse à faire tomber. Voilà, du coup, t'as 3 vis. T'as ces 3 là. 3 T20. Après, t'as la boîte à produits qui vient de suite. T'as 1, 2, 3, 4 vis. Et en fin de compte, tu vois, t'as le bac à produits qui vient de suite. Du coup, tu as le petit et la petite durite ici. Bon, de toute façon, c'est juste en fait emmanché comme ça la durite marron. Enfin, la durite graisse, je vais pouvoir dire ça. Et lui, tu le défais, tu vois, tranquillou. Tu fais attention parce que celui-ci, il est très, très, très fragile. Hein, du fait qu'il est quand même très très fin. Alors du coup, tu fais ça, tu le poses un peu sur le côté, tu vois la petite languette qui est ici, et bien tu le tires. Alors du coup, tu prends... Putain, il y a un outil à mort. Je pense que je vais faire un don pour des outils, celui qui veut me faire avoir des outils. Je vous fais quand même les choses gratuitement, les copains. Voilà, et bon, celui-là, tu le fais sauter. Hein. Évidemment, attention. Est-ce que ça peut. Voilà, parce que t'as pas non plus 36 000 accès. Voilà, tu le pinces. Voilà, tu le pinces et hop, voilà. Et du coup, lui va se défaire, tu vois, de suite. Voilà. Bon, du coup, lui. Voilà. Et ici. Normalement, je ne pense pas qu'il y en ait un de l'autre côté, non. Voilà, et après, tu le tires vers le bas. Mais en fin de compte, regarde, le trou, il est juste... J'avais senti le trou. Voilà, juste là. Voilà, juste ici. C'est un tout petit trou de rien, rien, rien du tout. Alors, je pense que lui, on le... Comment ? Lui, on le... En lui mettant un petit peu de truc dessus, ça devrait le faire. Tu vois, lui, il est défait. Lui, il est juste emmanché comme ça. Tu vois, tu l'écrases un petit peu. Hop, tu vois, tu l'as de suite. La cuve est quand même propre. Hop. Et voilà. Oula. Et du coup, en fin de compte, regarde. Ça fait que ta durée, elle est bonne. Mais en fin de compte, regarde, je vais te montrer. Une toute petite fissure de rien du tout. Et ça peut se réparer. Tu vois, la durée, elle est quand même propre en elle-même. Mais en fin de compte, tu vois ce qui se passe. Quand tu regardes au niveau d'ici, tu vois, c'est ça frotte. Ça frotte. Et regarde, je vais te montrer où ça frotte parce que c'est un petit peu les maladies de chez Asco. Voilà, et regarde. Voilà. Tu vois où c'est noir. Et bien en fin de compte, c'est là le bac à produits qui frotte. Alors la structure, elle est quand même bien faite, mais mal faite. Parce que tu vois, Asco, il l'aurait pas mis là. Il l'aurait mis soit au niveau d'ici, comme la plupart de 80% des machines. Tu vois, il l'aurait mis là un petit peu plus au-dessus. Ça aurait été mieux. Ou tu vois, en frontal comme les Dry Space. Et tu vois, ça aurait été. Alors, ce que tu peux faire pour remédier à ça, tu le graisses. Voilà, tu lui mets en fait un paquet de graisse. En fin de compte, ce que ça va faire, c'est que ça va frotter. Et ça évitera, en fin de compte, que ce fils de pute, tu vois, il se torde. Tu lui mets juste de la colle. Tu vois, tu lui mets juste un tout petit peu de colle. Tu le refermes, il a rien. La durée, t'as rien. Tu lui mets un petit peu de silicone tout partout. Tu lui fais quelque chose de très très propre. Et voilà. Ou autrement, tu le changes. Parce que lui, il a rien. Il a absolument rien. Tu vois, tu peux refaire quelque chose. Soit tu le changes, ou soit tu fais ça. Moi, actuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le recoller et lui mettre du silicone. Tu vois, en attendant d'avoir le neuf. Et c'est fini. Tu vois, ça coûte, je crois, 10 balles, même pas. Je crois 4-5 euros, à peu près. Enfin. Selon le site, bien évidemment, avec le marque, le modèle, voilà. Alors, tu vois, une petite fuite comme ça, tu as vu ce que ça peut te faire. Ça peut te faire de très, très gros dégâts. Surtout quand tu n'as pas la lessive adéquate, regarde. Tu vois, ça, tu vois que ça a coulé ici, crac, et tu vois, ça s'est fait en monticule d'ici. Alors, je vais bien le nettoyer. Je vais mettre une petite rustine, tu vois, maison. Je vais le coller maison. Je vais lui mettre...
Oh putain, du silicone, et c'est bon. Alors du coup, je fais ça, je vous reprends de suite. De toute façon, je vais le laver, parce qu'avant de faire toute chose, il faut nettoyer. Je nettoie et je vous reprends. Bon, voilà. La super glue, tout est en train de sécher. La durite a été nettoyée. Là, je vais chercher le silicone. Comme ça va être le temps de sécher. Une fois que tout est bien sec, là, je claque un bon coup de silicone partout. Et la réparation est terminée. Voilà. On peut voir que. Mais bon, là, c'est rien du tout. Là, c'est l'usure parce que la machine, elle a monté en grosse température. Ça, c'est sûr et certain. Mais autrement, tout est nickel. Voilà. Je vais chercher le silicone. Une fois que c'est sec, je claque un bon coup de silicone au niveau d'ici et là. Réparation terminée. Voilà. Allez, de suite. Bon, voilà. Une fois que la glue, elle est mise, que c'est bien sec. Tu prends ton silicone et tu y mets un bon gros bâton partout. Tu vois, tu le mets au niveau de la fissure et t'étales. Ça ne bougera plus jamais, ce sera terminé. Un bon gros bâton, bien partout. Tu fais bien rentrer partout. Et après, tu mets devant ton ventilo et ça sèche. Du coup, je finis, je vous reprends. Bon, voilà. Du coup, terminé. J'en ai mis partout. Du coup, ce que ça va faire, c'est qu'au niveau d'ici, comme ça commence à devenir un petit peu fin, du coup, j'ai un petit peu étalé. Comme ça, au moins, ça va vraiment bien me protéger de partout. Et de toute façon, ça ne bougera plus du tout. Entre la super glue plus le silicone, moi, je te dis, ça va être du nickel. Une fois que c'est bien sec, tu prends, tu fous, tu prends, tu le remets. Mais pour qu'il sèche assez vite, eh bien, tu le mets devant ton ventilateur. Comme moi, j'ai mon petit ventilo qui tourne. Bon, l'intérieur est encore un peu sale, mais on s'en bat les couilles. Le plus important, c'est l'extérieur. Il faut poncer, bien nettoyer. Désolé si je tremble. Voilà, il faut bien. Voilà. Oh, c'est chiant de trembler. Alors, du coup, voilà. De toute façon, une fois que c'est mis, de toute façon, ça ne bougera plus du tout. Ça, ce sera sûr et certain. J'avais déjà fait une réparation comme ça sur un lave-linge auquel. C'était fissuré juste un petit trou de rien du tout. Super glue, ça n'a jamais bouché. Jamais bougé. Alors du coup, voilà. Alors du coup, dès que je remets le grand test, et tout ira bueno. Alors du coup, j'attends que ça sèche. Bon, de toute façon, je vais faire cette petite vidéo, je vais faire le montage, je vous envoie ça, dites-moi ce que vous en pensez. Gros bisous à tous les abonnés, et merci de vos messages qui sont fort sympathiques.